Alors bienvenue les amis sur ma chaîne et aujourd'hui sur une vidéo qui s'appellera Il fut un temps et vous allez comprendre un tout petit peu. Bon, je vais jouer un jeu mais bon j'aurais pu jouer n'importe quelle classe mais bon là il est assez tard et j'avais envie de faire cette vidéo et j'avais pas envie de me fatiguer plus que ça. Donc vous avez cette vidéo qui va être très généraliste, qui va pas présenter forcément l'item. Vous voyez que je joue avec le flingueur. Et le danger du risque, mais bon, ce qui permet de réparer hein, les items. Maintenant, ok. Alors là, j'ai pas compris le mouvement technique qu'il nous a fait là, mais c'est pas grave. Et donc, je disais, cette vidéo s'appellerait Il fut un temps parce que sans doute qu'il y aurait beaucoup de choses que j'aurais fait quand il y a fut un temps et. Comme ça me saoule un peu en ce moment ce que fait Valve par rapport à Team Fortress 2, ben je l'avoue, hein, je suis pas motivé. Mais bon, ça se voit, je pense que vous voyez, puis beaucoup de youtubeurs qui mettaient un peu en avant Team Fortress 2 se calment vraiment. Hein. Voilà, je vais pas mentir. Bon, voilà, on peut parler de choses et d'autres. Bon, le troll tout existera toujours, mais voilà quoi. Mais je vais pas me bouger par rapport à ça. Bon, bref. Je suis toujours sur EKCS, on est toujours sur Dust Bowl. Je précise que je fais régulièrement des Twitch, des vidéos sur Team Fortress 2 et de Twitch. En général, tous les samedis où je podcast sur Twitch, je fais du Team Fortress 2. Alors malheureusement pas sur EKCS parce que j'ai pas le temps et que j'ai en général un ping de merde. Voilà. J'ai pas une chose, mais bon maintenant, voilà, quoi. C'est, on va dire c'est une chose qui tourne. Voilà, et j'essaye au maximum et bon, les gens peuvent rejoindre. Donc, je pense aussi c'est un bon moyen de jouer, même s'il y a un petit décalage, hein, je précise, entre le moment où je stream et le moment où vous jouez. Donc on va recommencer par les choses les moins importantes ou les plus kikou. Ouais, je vais quand même vous montrer ça, ouais. Ouais, j'ai un beau joli bug. Alors, oh là là, il y a Essence qui joue en spy. Est-ce que je suis chiche de jouer alors désolé j'ai un switch qui est très rapide avec ma nouvelle souris, c'est très déconcertant. Donc je disais on va commencer par le moins intéressant ou le plus kikou, on va dire. Bon, vous savez qu'il y a une promotion pour Alien Isolation, on va peut-être le faire pop ici, voilà, qui est un jeu voilà hein, qui va sortir tout bientôt. Et il y a des objets promotionnels. Alors, il y a un scandale dans ça, quand même. C'est que les objets pour le scout sont normalement limités à Halloween. Donc, vous comprenez qu'on paye quelque chose. Mais en plus, bah, il faut mettre les sous-sous il faut mettre les sous-sous. Et en plus, c'est uniquement pour Halloween. Bon, moi, j'ai essayé de corriger un petit peu tout ça, donc j'ai essayé un petit peu de faire ça. Bon, le c'est un reskin hein, de l'item du Pierrot, et puis vous avez un skin un petit peu alien, et puis un hat haut classe. Alors je vais quand même le montrer parce que c'est vrai que j'ai pas pensé. Désolé, je vais quand même vous le montrer. Bon, il va sortir. Je vais pas vous dire que c'est un très très bon jeu, il sent bon. Voilà, moi je l'ai récupéré, hein, je le dis. Hein, donc, voilà. Maintenant, vous savez qu'il y a eu le scandale de Tief et ça me gêne vraiment. Alors, j'explique une chose. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Hein. Ce soda, c'est vraiment pour les gens qui sont purement kikou et qui voudraient vraiment le récupérer à un prix qui n'est pas si cher que ça. Bon, déjà, vous allez sur Delcompare, vous avez aussi goclescd.com et vous allez voir des personnes qui vont vous mettre replay édition, mais aussi bah voilà les pré-order bonus. Et donc ça c'est très important parce que par exemple je vous explique, ouais, vous cliquez là dessus hein, vous allez voir, bon, je repop et j'espère que ça va réussir, mais en gros là ce vendeur de clés marque vous allez recevoir le jeu dès que vous allez le commander chez eux. Je sais pas si vous comprenez, ça veut dire que vous n'allez pas attendre la date de sortie. Si vous avez la date de, si vous attendez la date de sortie, bah évidemment vous l'avez dans l'os.
puisque bon bah je l'aurais pas hein, mais bon voilà. Et en gros là ces deux là ils donnent le jeu avant la date de sortie, donne via un Steam Gift le jeu. Donc voilà, donc, je le dis pour ceux qui veulent pas payer 40 boules et pour avoir les items qui coûtent, bah, vous avez ce moyen là. Maintenant lisez bien les descriptions s'ils le donnent le dernier jour, le moment où ça pop, et là vous avez dans le cul, vous pourrez pas avoir bah, les items, alors on va essayer de vous le montrer quand même. Désolé, je suis à un moment Kikou. D'accord, je ne le ferai plus après. On va essayer de vous le montrer en, le casque. Alors, il est où ce con? Il est là, non? Voilà. Voilà, voilà ce qui ressemble un petit peu le casque de choses. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Bon, c'est sympa, hein. C'est juste un, c'est juste un truc un peu, voilà. Bon, ils racontent leur vie, cool stories à Doom. Voilà. Donc ensuite, je voulais quand même féliciter l'équipe de France puisqu'ils ont, ils sont débrouillés à la Nation Cup. C'était pendant un de mes lives, hein, donc je le dis. J'ai pas forcément suivi. Bon, je regrette que pour évidemment mon Hearthstone, il y a plus de 4000 personnes qui suivent, et pour Team Fortress 2 on a peine à arriver à 300, et quand Dagon, désolé hein, je sais pas si je prononce bien, de toute manière je ne suis pas un ami personnel hein, je précise, est interviewé, bah, il y a que 100 personnes, voilà. Donc toute la problématique du e-sport et de la lisibilité de Team Fortress 2 est résumée en ça, même si c'est très fun hein, de jouer, voilà. Je le dis quand même parce que voilà, j'ai une pensée pour eux. Eux, ils l'ont fait. Hein, voilà. Il y a peu de Français qui l'ont fait avant. Donc bravo les gars. Voilà. Vous méritez au minimum le respect. C'est vrai que sur du bah, voilà, en pur compétitif, vous savez, les scouts, voilà. Hein. Et ils... Et oh, il y a un spy là dans le coin. Hein. Donc voilà. Bon, bref. Je tenais à le dire puisque ouais, parfois j'ai été dur avec le sport. Au moins là, ils ont réussi. Donc ça n'a aucun rapport avec moi et ce n'est pas moi qui suis responsable de leur réussite. Je précise. Et ils ont bien raison d'en profiter, j'espère qu'ils auront d'autres victoires. Et que leur e-sport sera un peu plus visible, parce qu'on a vu de belles choses sur Hearthstone. Si vous avez regardé, je pense que vous avez fait plaisir comme moi, parce que c'était vraiment très plaisant de voir Colento jouer, et voilà, les différents Français. Et je vous rappelle que, si vous voulez voir ça, il y a un billet virtuel à la BlizzCon, où vous pouvez bah, prendre... Voilà quoi. Voilà pour à peu près ce que j'avais à dire. Donc quand même je tenais à le dire puisque voilà, j'ai diffusé un temps, j'aurais pas mal publié vite fait cette vidéo, bon là Rexy l'a fait très très vite, donc je trouvais que voilà, il le présente souvent mieux les items que moi, donc voilà. Puis il fait de belles analyses, même si des fois il peut se tromper, là il pensait que ça pouvait être end of the line, c'était pas forcément le cas, bon, bref, je vais vous revenir sur ces caisses encore une fois. Bon bref, alors donc on a fait un tout petit peu ça, on va enchaîner sur... les caisses, alors les caisses 86 qui ont pop là, ces sortes de bouées là, de fin de... Ça m'a troué le cul quand j'ai vu ça parce que je me suis dit, Valve a toujours pas compris, ils avaient, pour l'instant il avait sorti que des caisses de Strangifier ou de Killstreak, et là pff, ils sont revenus dans leurs défauts, les items sont moches, hein, faut le dire, hein, je vais pas vous mentir, et il y a rien d'intéressant. Dans tout ça, hein. Donc c'est des caisses, voilà, j'en ai même pas ouvert une, hein, vous voyez, hein, c'est une sorte de caisse de bouée. Bon, on parlait, ça faisait penser un petit peu au Pierrot dans End of the Line, mais bon, toujours rien. Bref, voilà ce que j'avais à dire sur ça, qui est vraiment, je veux dire, un nul, hein, voilà, pour moi. Voilà, on est revenu un peu en arrière avec ces caisses, bon, bref. Voilà. Avant, je trouvais que c'était quand même beaucoup plus sympa de faire le truc, de récupérer des Strangifiers ou des Killstreaks. Il y avait quand même une part de chance. Bon, je ne vais pas revenir sur ça. Si vous avez ces caisses-là, essayez de vous en débarrasser le plus rapidement possible. Ça ne vaudra pas grand-chose. Ok. Alors, je vais revenir aussi sur... bah, j'ai parlé de Kickstarter. Hein, donc, j'ai fait une vidéo qui m'a... qui a extrêmement été importante pour moi, hein, je le dis, parce que là je vais jouer, juste vous montrer le Pierrot, hein, puisque bon, je pense que c'est plus le cas, donc on va s'amuser à le mettre
Ouais, le vétéran, on va mettre pas vive la France et on va vous mettre le back burner, le Nostro, vous voyez hein. Et vous allez voir un petit peu le. C'est un reskin très sympa. Ah ouais, non mais. Je peux même plus taunt avec juste mon arme. Attends, je vais vérifier. On va voir si avec le 8. Non, je peux même pas. Ah non, je peux même pas quoi. Oh, c'est pas vrai quoi. Bon, bref. Et donc, je disais. Bon, bah, il fait une dysenterie niveau 2. Ah, et ça a bien baissé quoi. Beaucoup de gens qui ont quitté le jeu. Donc, je précise que. Bah, je vous mettrai le lien. Hein. Je l'avoue, hein, moi j'ai les bacs ce projet, hein, un petit peu zombie. Et la personne propose de faire un casque all class. Vous avez les différentes images. Hein, voilà. Donc, je vous ai dit, hein, Kickstarter, j'y crois. Voilà, j'ai dit que pour moi ça m'a un peu révolutionné ma façon de consommer. Voilà. Il y a des bonnes affaires, hein. Je le mets sur Twitter en général, je mettrai aussi mon petit Twitter pour ceux qui veulent suivre les bonnes affaires et les bons plans Kickstarter. C'est mon avis, des fois il y a des choses qui se passent pas. Hein. Je dis, j'ai un truc que je trouvais génial qui est pas passé, mais bon, bah voilà quoi. Hein. Ça fait partie des choses, vous perdez pas l'argent, donc on s'en fout. Hein. Donc voilà, un all class, et j'espère que vous ferez de la pub parce que c'est un très très bon jeu. Je précise que j'ai fait un petit commentaire, mais je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est un très très bon jeu. Voilà pour ça. Alors maintenant, l'élément qui va vous intéresser sans doute beaucoup plus, c'est... Donc j'ai fini, bon je vous mets pas la suite parce que... Oh, je vais peut-être vous essayer de vous montrer le scout quand même. Voilà. Est-ce que je peux le mettre? Bah vous voyez, hein. Donc, ça c'est un peu scandaleux hein, de ne pas pouvoir le mettre. Par rapport, c'est la première fois qu'ils le font avec un objet comme ça. Moi je trouve ça vraiment, vraiment gênant. Et donc, dernier élément, là ça va vous intéresser, ça va évidemment révolutionner le trading, c'est que certains objets limités sont passés au marché de la communauté. Alors, donc, Dodo Maxed, je pense que je suis l'un des premiers, je remercie Lulu dans ma liste d'amis qui. Lula qui m'a donné ça. Voilà. Vous voyez que les prix. Alors, ils sont apparus hein, depuis l'existence, c'est le 18. Vous voyez qu'il y en a eu un 41 €, et puis les autres se baladent à plus de 70 €. Il y a parfois des petits prix comme ça. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que pour les personnes et les jeunes qui me prenaient la tête en disant « Je veux mon Maxed », bah voilà, vous pouvez l'avoir. Il y a une centrie niveau 3. Vous pouvez la récupérer, donc je vais pas faire un manco pour ça, mais c'est vrai que ça va révolutionner certaines choses, hein, parce que vous n'avez plus besoin d'aller sur SOP, vous n'avez plus besoin d'aller sur Outpost, vous n'avez plus besoin d'aller faire ça. Bon bref. Ok, il y a un Konga, mais... Ah ouais, mais l'autre il est en train de faire sa Konga, donc moi j'ai pas envie de... Bref. Et donc je disais, bah ça va révolutionner puisque vous avez compris que bah autour de 90 €, hein, ça sera à peu près le prix que je pense logique. 3 buds à peu près. Hein, vous auriez une Maxed. Donc voilà, si vous avez si c'est votre bonheur et votre chose, bah, vous avez différents éléments. Vous voyez, hein, il y en a quand même à vendre. Alors après, est-ce que ce sont des items dupliqués ou pas Et la deuxième chose, et oui, vous n'allez pas rêver. Bon, j'ai cherché aussi. Le Hat of Undeniable Health, bon voilà. Et les écouteurs sont évidemment sur le marché. Vous voyez qu'il y en a un qui a été vendu quand même 20 €. Voilà, c'était l'affaire à faire. 25 là aussi. Bon, vous trouverez des affaires. Hein. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment les récupérer. C'est à partir du 18 septembre. Hein. Alors, ça, très peu de youtubeurs en ont parlé. Et très peu de personnes en ont parlé. Bon, c'est du bouche à oreille, à droite et à gauche. Je remercie en tout cas les personnes qui m'ont... Et je dis Lulu qui me l'a dit. Ça a changé pas mal de choses parce que bah voilà, les jeunes qui voulaient récupérer des Airbuds mais qui n'avaient pas de Paypal, bah là, vous pouvez les récupérer. Il faut 30 boules. Voilà, à peu près. Hein. Et puis, attendre le bon moment en dessous de 20, de 30 €, c'est une bonne affaire. Hein. Je dis 20, 25,
c'est une très bonne affaire. Après, il faut voir l'évolution, hein. Ça vient juste d'arriver. Il y a tous les Kikou qui veulent peut-être essayer d'en récupérer, donc voilà quoi. Mais bon, en tout cas, je tenais à dire que c'est la grande nouvelle. Ok, bon, bah, on s'en fout. Donc, voilà pour à peu près le chose. Vous pouvez avoir aussi, tiens, le Hat of Summer, hein. Le Summer Hat, je vous le montre aussi, que j'ai là en ce moment, là, hein. Chapeau d'été, on va mettre qui est toujours un objet limité, hein. Je pense, je sais pas s'il y aurait le Summer Hat, vous voyez, 23€, hein, il y en a 9. Voilà. Je vais peut-être chercher je doute qu'il y ait l'humanitaire, mais bon, on va voir, hein. Oh, si je meurs, c'est pas grave, hein. C'est juste pour vous montrer. C'est plutôt une vidéo d'information, plus que voilà, de skill parfait et pur. Voilà, mais bon, je trouvais que c'était important de le faire. Et que. Voilà. Hashimaki. Alors, on va faire Hashimaki. Je sais pas s'il y est. Hein. Voilà, bon, bah, il y est pas. Donc, vous voyez que. Je regarde juste son nom sur les unités. Hashimaki, donc il n'y est pas. Bah, encore, bon, vous voyez qu'il y a encore certains objets qui sont bloqués. Ah, j'aimerais. Ah oui, c'est vrai, mince. Ah mince. Voilà, je vais me faire désinguer. Bon, voilà, donc j'ai. Je voulais quand même donner cette information qui est très importante quand même. Hein. Donc pour ceux qui voudraient récupérer des Max ou des AirBuds, des écouteurs, bah, vous avez ça. Alors ensuite, il y a un autre scandale que je voudrais quand même revenir. Bon, vous savez que Steam a été. Un petit peu transformé, et donc on n'a plus la même disposition. Bon, vous avez toujours les meilleures ventes bientôt, puis voilà les offres. Hein. Alors, il y a beaucoup plus d'offres qu'avant, hein, je le dis. Ils sont en train de concurrencer un petit peu les Bundle Store et choses comme ça. Par exemple, il y a une très bon Valve complète, hein, vous voyez, voilà, avec du lourd, hein, voilà, pour ceux qui voudraient savoir. Alors, je comprends pas la logique de Valve. Bon, je vous ai dit, hein, plusieurs fois, je pensais qu'ils étaient à focus plutôt. Pour leurs intérêts pour Dota, mais j'ai pas compris l'évolution actuelle, parce que là maintenant il y a rien, bon, Dota va se faire manger tout cru par Hero of the Storm. Je précise en même temps, tiens, les serveurs vont bientôt être down pour l'alpha technique et les achats vont être définitifs, donc ça sent la bêta, mais voilà, donc si vous surveillez un petit peu, je promets que si je vois des clés de bêta sur un site, je ferai des vidéos sur ça. Faudra agir très très vite, les amis, hein, parce que vous avez compris que ça partira très vite comme des petits pains. Hein. Donc voilà, je pense que la BlizzCon, soit ils vont parler de Hero of the Storm, soit ils vont parler de StarCraft 2, la suite avec les Protoss. Vous savez, il y a une dernière campagne qui manque. Bon voilà, c'est un des deux et voilà, il faudrait surveiller ça. Fin octobre, début novembre. Il y aura d'autres invités, c'est sûr et certain. Voilà. Ça, je vous le dis, c'est à peu près 90% sûr. Voilà, donc ce qui m'a gêné énormément dans le nouveau truc, bon, vous avez évidemment des items qui sont conseillés, ou multijoueurs, voilà. Ce qui m'a énervé, c'est les curateurs. Voilà. Donc les curateurs, ce sont des personnes, pas forcément des youtubeurs, mais ça peut être des youtubeurs, hein, qui laissent des évaluations sur les jeux. Et... qui bah, donne des évaluations diverses et variées sur les jeux. Et il peut y avoir des conflits d'intérêts, vous avez compris, puisque quelqu'un qui obtient un jeu gratuit, bah, forcément, est-ce que son élément est toujours crédible? Est-ce que quand on reçoit un jeu gratuit, on va toujours bien parler? Je répète, je ne suis pas sûr. Donc là, je trouve assez scandaleux, hein, je le dis. Voilà, parce que bah, recommandé par Lethal Joe, bon, bref. Non, ça, c'est mes amis, mais bon, voilà, on n'est pas obligé d'avoir cette agression-là de... Voilà, quoi. Autant de jeux comme ça, je trouve que c'est mal fait, c'est trop long. Il y a trop de choses à lire, et c'est super agressif, quoi. Voilà, quoi. Je préférais que ce soit à l'essentiel et que ce soit plus petit. Bon, voilà, après, c'est mon avis, hein. Vous voyez les offres hebdomadaires, il y en a 89, bon, il y en a un sacré paquet, hein. Voilà, mais je trouve que voilà, ça concurrence, mais c'est pas encore le top, quoi. Voilà, j'ai un avis très très négatif sur ça,
Bon voilà, donc je pense avoir fait le tour de à peu près tout ce que je voulais dire. Voilà, hein. Je pense que cette vidéo arrivera en fin de semaine, quand je serai un petit peu en week-end. C'est le week-end. Donc voilà, je répondrai au fur et à mesure à toutes vos remarques et interventions. J'ai voulu vraiment en parler parce que c'était important pour moi. Et je trouvais que c'était, alors pas une révolution, mais bon, une évolution. Alors pour notamment les items qu'on peut récupérer beaucoup plus en sécurité sans se faire arnaquer, voilà. Hein, sans se faire arnaquer sur sauper. Donc ça, c'est bien pour les petits jeunes. C'est plus accessible. Après, qui mettra l'argent pour ça, ça sera plus difficile. J'espère avoir été... Ouais, j'aurais pu presque l'avoir. Presque ou pas. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être complet. J'espère vous mettre pas mal de liens pour ça. Hein. Alors après, est-ce que les... C'est quoi Memory Maker, ça? Ok. D'accord. Ah ouais, d'accord, ok, c'est un sexy award. Okay. Bon, il y a certains items qui ne sont pas visibles, toujours la Golden Key, voilà, bon, bref, vous avez compris, hein, ce genre de choses. Uncle Sam, c'est quoi, Uncle Sam? Juste voir un petit peu s'il y est là. D'accord, ok. Bon, bref. Ciao les amis, laissez-moi vos commentaires, vos remarques, et à bientôt sur ma chaîne pour d'autres aventures sur Team Fortress 2 ou autre chose. Vous avez vu que je me diversifie pas mal. Que je fais des vidéos Team Fortress 2 régulièrement, mais pas enchaînées. Tchuss tchuss les amis.